verset 19. Josué 24, verset 19. Tenez qui ça le dit. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu comment saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Verset 21, le peuple dit à Josué, non, car nous servirons qu'il est ça, l'Éternel. Amen. On choisit servir qu'il est ça, l'Éternel. On dit ça ensemble. On choisit servir l'Éternel. Josué était environ 110 années. Il était un tonton grand monde. Et Josué sentit que le moment arrivait pour le mourir. Il sentit que le dal mourir. Mais Josué, avant de mourir, il fait un état généraux avec le peuple là, avec le peuple Israël. Il convoque une grande assemblée. Les chefs, les juges, les officiers et toutes les tribus d'Israël. Pas oublier, c'est Josué qui a remplacé Moïse. Josué, avant la mort de Moïse, était assisté Moïse. Les Moïse mourit, il était évident, c'est Josué qui t'a parlé remplacer. Et Josué, si Moïse te fait peuple à traverser la mer Rouge, eh bien Josué lui-même, il était la grande charge de faire peuple à traverser le Jourdain puis rentrer Canaan, pays, mon Dieu, te promet la Bayoa. Et si le peuple a traversé Canaan, prend héritage lui, mais il y a une chose qui fait Josué inquiet. C'est que Josué sentit que l'œil mourit, le peuple a chuté. Josué sentit que l'œil mourit, le peuple a pas arrêté dans mon Dieu. Et si Josué fait une réunion d'affaires avec tout le peuple là, combien de monde qui vient dans la réunion? Le peuple entier. Au minimum, plus que 3 millions de monde. Les chefs, les officiers, les juges, les anciens du peuple viennent dans la réunion. Et qui côté Josué fait réunion? Il fait l'autre côté qui est important, il y a les Sichem. Sichem, son côté, bon Dieu t'a confirmé à Abraham que la bénie, la balion petit, la fait non grand et toutes les familles de la terre a béni en Abraham. Et à Sichem, Abraham t'a bâti un hôtel pour l'adorer le Seigneur à la lumière de belles promesses, bon Dieu t'a fait. Et c'est Sichem, pour un petit côté petit, son côté, monde entend des voix, bon Dieu, parler. Deuxième raison qui fait que Josué fait réunion à Sichem, c'est parce que à Sichem, Jacob, après tout pèlerinage, lui, en dehors de Kay Papal, il était sorti Kay Laban après 14 ans, avec toute famille, tout bien, toute serviteur l'a monté pour lui rentrer la caille. Mais avant Jacob rentrer la caille, pour les sauts de caille là-bas, Jacob dit, m'a monté Bethel parce que c'est à Bethel bon Dieu t'es pas là avec moi. Et m'a fait vœu, si bon Dieu avait me protégé, me garder, m'a tourné à Bethel parce que c'est là Jacob te recevoir une grande vision. Côté que t'es en échelle qui pendait sur le ciel là, et puis ange de Dieu a monté descendre sur l'échelle là. Avant Jacob arrive à Bethel, Jacob retiré, mandé tout le monde qui t'a suivi, tout serviteur, pour enlever tous les dieux étrangers, toutes vieilles idoles, toutes vieilles figurines que vous avez gagné, toutes vieilles talismans que vous avez gagné. Papa le conseil, on sait de idoles magiques. Jacob dit, je ne peux pas monter Bethel avec vous, il faut enterrer. Qui compte pour qu'on ait enterré toutes vieilles idoles avant Jacob monte Bethel pour l'aller dire bon Dieu merci à Sichem. Sichem, son côté où enterré tout ça pas bon. Sichem, son côté où aller pour dire me repentir. Sichem, son côté où aller pour dire Seigneur, me consacrer la vie m'ba où. En tout dit Sichem. Sichem tout,
Vous savez que Joseph mourit en Égypte. Joseph te demande pour ne pas quitter Zol en Égypte. Eh bien, il te prend Zol Joseph. Les Israélites ont quitté l'Égypte. Ils ont sorti avec les os de Joseph. Pendant 40 ans, les Israélites ont monté et descendu dans le désert là. Ils ont eu 5 heures avec eux. En 2 heures, ils ont eu Zol Joseph. 40 ans, ils ont flâné avec nos os. Les os de Joseph. Resco Joseph. Pour qui raison ils ont fait 40 ans pour monter et descendre dans le désert là avec Resco Joseph? C'est parce que Joseph t'a dit, pas enterré dans l'Égypte, c'est pour enterrer dans le pays, bon Dieu t'a dit, là, bah, ils ont cette pays. Et si là, ils ont entré Canaan, qui compte qu'on est à l'enterrer Joseph? Qui compte qu'on est à mettre Joseph? À Sichem. Est-ce que Sichem? C'est pour un petit côté petit. Et si là, la chose vient convoquer le peuple là à Sichem, en pile monde qui connaît l'histoire, ça y est. Yo wè côté met Joseph là, yo wè côté Jacob t'a enterré et bon Dieu idole yo. Le Josué convoqué peuple là à Sichem. Histoire, conversation Abraham bon Dieu a passé dans tête yo parce que yo connaît histoire bien et si Sichem c'est pas qu'un petit côté petit. Et c'est à Sichem Josué dit mon Dieu comme ça. Écoutez, réunis là avec nous pour me dire nous mais ça bon Dieu fait pour nous. Depuis Abraham, bon Dieu prend nous. Il passe, il fait un pile route avec nous. Jusqu'à ce que nous atterrions en Égypte. Avec Moïse, à la tête de tout ton peuple, nous quittons l'Égypte. Nous traversons la mer rouge. Et bon Dieu est arrivé plus vite avec nous. Même tellement incrédule, nous fait 40 ans. Nous avons monté descendre dans le désert. Et je dis, bon Dieu permette nous dans le pays que te promette l'abandon. Josué dit comme ça. Nous avons un choix pour nous faire, oui. Moi, convoquez nous là pour nous choisir. Je dis à même pour nous choisir qui laisse nous servir. Josué dit, écoutez, si nous ne trouvons pas le bon pour nous servir l'Éternel, mais dis-moi qui laisse nous servir. Mais Josué dit, quant à moi-même, à mon lacay moi, m'a servi qui laisse ça? L'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Peuple a répondu Josué. Peuple a dit Josué. Nous d'accord. N'a servi l'Éternel. Et puis côté on dit Josué ça. Josué dit une parole qui fait réfléchir en pile. Côté on dit Josué ça. Gardez verset ensemble avec moi. C'est verset 19 là. Josué dit on ça. Nous dit n'a servi l'Éternel. Mais quand on a pris force, José dit, yo, nous pas de force pour nous servir l'Éternel. Dans verset 19 là, oui. José dit, yo, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Parce que bon Dieu, c'est bon Dieu qui sait. Je n'ai pas vivre là. Bah ouais, comment nous pouvons servir l'Éternel? Oh, peuple a dit José. Non. Non, bon créole, peuple a dit José. Ou menti. Ça, il n'y a pas vrai. N'a pas servi l'Éternel. Vous connaissez, on comprend Josué, oui. Il y a quelques fois, quand on vient de l'église, on prend de grandes décisions. Il dit, je vais consacrer la vie à mon Dieu. Il dit, je dis, c'est pour tout bon. Je vais mettre mon Dieu la vie en avant pour le Seigneur. Et puis, mon n'a pas arrivé dans le marché escalier qui est à l'église. Là. Il est oublié la décision que je prends. Il est oublié le choix que je fais pour le servir l'Éternel. Parce que Josué contre le peuple a bien. Pas oublier. Le peuple a été en Égypte. T'es sorti en Égypte. À peine sorti en Égypte. Dans Exode 32, Moïse monte sous tête maintenant. Là, il prend les 10 commandements. Non, mais bon Dieu, 10 commandements, c'est après la constitution du peuple. Le peuple n'a pas comme même recevoir la constitution. Moïse explique comment il va le servir l'Éternel. Le peuple a été en vaut d'or en bas maintenant. Josué contre le peuple a bien. Josué contre le peuple a bien. Et c'est parce que le peuple a bien qui fait dire, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Le peuple a dit, nous servir. Nous d'accord pour nous servir. Josué dit, nous d'accord pour nous servir. Je dis, oui, nous d'accord pour nous servir. Josué dit, ok. Tout ça nous dit là, m'a écrit dans le livre. La parole passe, qui ça? L'écriture reste.
Bible a dit, Josué écrit, Josué dresse son rapport, Josué fait un procès, et maintenant, verbal, l'écrit. Il dit, procès verbal, là, moi, sûr que le tégué, il y a un rapport comme ça. Moi, réuni à peuple, là, dans la date, ça, nous, à Sichem, à telle, moi, mandé, yo, pour jamais, yo, yé, pour jamais, yo, yé, mes idoles, moi, posé, yo, toute question. Juge là, ancien là, officier là, tout tribu là net. Me poser une question, est-ce qu'il a choisi servir l'Éternel? Me te dit pour moi pas, pourquoi pas moi? Mais même moun la caille moi n'a servi l'Éternel. Josué écrit. Yo tout répondre oui, n'a servi l'Éternel. Josué écrit. Moi dit yo, nous pas de force pour servir l'Éternel parce que l'Éternel son Dieu qui saint et jaloux, il pas tolérer péché. Peuple a dit pour ça. Non, ou d'une bague de force, comment une bague de force là? On nous finit nous servir l'Éternel, qui soit dit nous là. Josué dit comme ça, moi écrit ça dans le livre là, moi écrit rapport ça, parce que le peuple a dit l'a servi l'Éternel. Josué finit faire rapport, moi sûr que Josué signe en bas, reste que signe en bas. Les livres dans le ciel, la maman de Josué, comme une signature que le Dieu recevoir. Ça n'a pas suffi. Josué tellement qu'on est peuple là malin. Josué tellement qu'on est peuple là coquin. T'es un gros roche. T'es un gros roche dans zone là. Un gros roche. Josué dit comme ça. Tout le monde garde pas ici. Gardez pas ici, tout le monde garde. Josué dit roche ça. Nous prenons comme témoin. On roche oui. Nous prenons roche ça, nous prenons comme témoin que le temps de tout ça qui passé là. À chaque fois nous gardons roche ça, n'a songé que nous t'ai dit, nous choisissons pour nous servir qui est ça? L'Éternel. Pour ces verbales faites, ou achetez moins, boum, Josué mourit. Josué mourit, d'ailleurs, Josué mourit, je t'ai aimé Josué, je t'ai aimé Josué, mon serviteur Moïse, Josué mourit. Ah, peut pas rien. Peuple en deuil. Oh, Josephine mourit. Peuple fin crié. Devinez ce qui passé. Ou pas un grand livre dans la Bible, il y aurait les juges. Ou qu'on pour qui ça livre, ça aurait les juges. C'est parce que le Josué mourit. Peuple a tombé dans même ça. Josué n'est pas tombé là-dedans. À un point tel que pas même un leader qui pourrait diriger le peuple là. Ça résume tout le juge là. Il dit en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui plaisait. Gardons le peuple qui se dit, nous avons servi l'Éternel. Nous choisissons pour nous servir l'Éternel. Josué mourit, anarchie. Josué mourit, apostasie. Josué, t'es gain, raison. Grand monde, t'es gain, raison. Faut respecter grand monde, oui. Respecter grand monde. Grand monde n'est capable de pas faire gros classe. Grand monde n'est capable de fréquenter quand on fréquente. Mais grand monde a une sagesse. Respectez grand monde. Il y a un jeune garçon qui a vu la caillou. Il chita avec vous comme un ami. Et puis grand monde n'a pas gardé. Et puis grand monde n'a pas gardé. Il dit, petit fille, tu n'es que ça va bon, non? Ou pas qu'à comprendre ça, grand monde n'a pas. Pas oublier, son grand monde. Il y a une sagesse. Il y a une intuition. Il y a une capacité. L'âge bali pour louer quand on parle. Rabbi, maman, grand, ma tante, je ne pas comprendre nous. Ou ne pas faire mes amis. Ou ne pas faire mes amis. Ou capable de parler français sur ma tante. Parce que ma tante ne parle pas français. Et pour dire comme ça. Il faut que je fasse des amis, moi. Et qui ça, grand monde n'a connaît? Mais grand monde n'a tout seulement. Amis, ça va bon pour vous, non? La tremble, elle est nous, ça. Et c'est pire de comprendre avec grand monde n'a pas de raison. A pas nous, Josué a raison. Est-ce que Josué a raison? Oui, il a raison. Et mon guide, pasteur. Josué a dit, peuple, là, ou pas bien force pour servir l'Éternel. Et je dis à pasteur, est-ce qu'on a une force pour le servir l'Éternel?
Est-ce que même ça qui est peuple là va priver nous tout? Il y a un qui a dit, parce que quelqu'un qui vient de l'église, tout autant que l'église a senti une diable, m'a chanté une diable, m'a dit bon Dieu en nous, en avant, m'a voulu servir, m'a voulu suivre. Et puis, comme sorti l'église, en elle-même. Qui ça nous fait? Écoutez, les peuples là te dit Josué, n'a pas servi l'éternel. Josué te dit, nous pas de force pour servir l'éternel. Josué n'a pas pris le temps pour nous dire comment pour jouer une force. Sûrement, il y a des dégâts. Mais on connaît, la Josué du peuple là, nous pas de force pour nous servir l'éternel. Mais même comme prédicateur, je me pose une question. Je dis, Seigneur, serviteur, yo, monde qui dit, on choisit servir l'éternel, côté à jouer une force pour servir. On connaît, la Bible son seul livre lié. Si la Bible nous servir l'éternel, bon Dieu décide la bonne force pour servir l'éternel. Et c'est peut-être ça. À soi-là, je voulais parler concernant les quatre forces du serviteur de Dieu. Les quatre forces du serviteur de Dieu. Regardez, la Bible a dit, les bon Dieu m'a donné un bagage, il y a une force pour faire. Bon Dieu pas jamais m'a donné un bagage pour ne pas avoir une force pour faire. Bon Dieu pas jamais voyo à l'acheter pour lui, s'il n'a pas un corps pour acheter. Bon Dieu pas jamais voyo à son mission pour lui, s'il n'a pas une provision pour faire mission. Si mon Dieu m'a donné pour servir, assure-vous, la bonne force pour servir. Écoutez bien, dans la Bible, là, le mal fait enquête dans la Bible. Là, moi, je veux que y a un monde qui les servit l'éternel tout bon. Bon Dieu mettait quatre forces à disposition. Quatre forces. Et première force que je veux que bon Dieu mettait à disposition, il y a un monde qui les servit. C'est dans Romains 1er, verset 16, moi je veux dire. Tournez avec moi dans Romains 1er, verset 16. Première force, bon Dieu décidait, la baille, y a un monde qui les servit tout bon. Dans Romains 1er, verset 16, l'apôtre Paul écrit parole ça, par les chrétiens romains. L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte que ça de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Première force, bon Dieu, bon nous, pour nous servir, c'est la force de l'évangile. On dit ça ensemble, la force de l'évangile. Écoutez, quand on voit écrit dans Romains 1, verset 16 là, l'évangile est une puissance. Mot puissance là, dans la langue grecque là, on compte qui mot qui traduit puissance là, dynamis. Dynamis, c'est même mot ça qui bat nous en français dynamite. Où est l'évangile? L'évangile sont force liées. L'elle rentre en côté, c'est secouer le secouer côté. L'elle rentre en côté, c'est changer le changer côté. L'elle rentre en côté, c'est trembler le trembler côté. Depuis l'évangile rentre dans le monde, il change le monde. C'est la force du changement. Où est l'évangile? L'autre prend Jésus-Christ comme sauveur. Si c'est pour toute bonté prendre Jésus-Christ comme sauveur, si c'est pour toute bonté recevoir l'évangile, l'évangile là, gen la donne, yon provision qui bon force pour servir l'éternel. C'est dans l'évangile là lui-même. Regardez, dès que vous prenez l'évangile tout bon, ou pas besoin de personne bon le bras pour venir l'église. Ou pas besoin de personne bon le bras pour servir mon Dieu. Si vous voulez un monde qui aide, tant mieux. Ça permet de avancer plus vite. Mais depuis c'est sincère, on prend l'évangile. Gon force qui est dans l'évangile là, qui permet de marcher pour qu'on tout, ou pas besoin de monde bon le bras pour venir l'église, ou pas besoin de monde comme ça, c'est un tel, on a l'église non, je dis dimanche, ou pas besoin de ça. Si vous voulez un monde qui est très bien, on pas besoin de ça, parce que gon force dans l'évangile là, qui est ou né de nouveau, ou son nouvelle créature, bagaille a changé, qu'on y a marché avec bon Dieu. Les Philippe te baptisé, eunuque éthiopien. La Bible a dit, eunuque la sorti dans de l'eau et puis parle Philippe. Quand pasteur Philippe, quand pasteur te baptise, non, à part le fin de baptise, Bawel, qui laisse qu'à faire classe avec moi? Qui laisse qu'à faire quatre mots moi? Qui laisse qu'à faire prier? Qui est-ce qu'à faire groupe prier, prier avec la caille moi? Quand pasteur Philippe, qui laisse qu'à faire du public avec moi? À part Bawel, très souvent, on a des gens qui disent ça. On a avancé plus dans l'évangile et parce que l'église côté nié, on n'a pas d'encadrement.
yo pas encadré. Si yo t'en encadré, mon ta loin. Écoutez, li très important pour l'église encadré ou spirituellement, accompagnons spirituellement. Ça permet de avancer plus vite dans mon Dieu. Mais de pour que l'évangile n'en doute bon, même l'on pas un pasteur, même l'on pas un diacre, même le bon officier de l'église, depuis l'évangile dans tout bon, le Saint-Esprit a encadré. Gros frère dans l'église là. Dans l'église elle baptise, dans l'église elle converti. Yo barre l'on tap tap, tête li cordée, tant qu'on dieu, on dieu qui fait que ce Jamaïque. Tellement tête li cordée. Ak cheveux le sous dos, dieu lock li. Dans l'église sa frère a dit, nous sommes j'aime dans l'église ici là. Je dis à me battre là, non parce que je n'ai pas encadré. Frère, monsieur, et nous te mettons pression dans la tête, et nous te tressons le bouli, et nous te faisons si d'engrigner dans la tête, et pas nous te faisons. Écoutez bien, depuis l'église financière, l'église n'a pas mettre un rigoise dans le corps pour le droit gauche. Depuis que cet esprit dans la vie, ou obéir à mon Dieu automatiquement. Mais si vous faites péché, si vous tombez dans la désobéissance, vous ne pouvez pas dire c'est l'église qui peut encadrer. Eh bien, écoutez bien, tombez dans le péché, ventou mes hauteurs, ou pas marié, mais ou enceinte 9 mois, ou prêt à la coucher. Eh bien, l'arrivé, non point pour accoucher, ou à pousser petite là. Elle est, amway, si l'église est encadrée, moi, à pas t'arriver, moi, si l'église est encadrée, moi, on va t'en pousser, cougné, là. Amway, relé non. Mais oui, c'est l'église qui te mette petite là pour. C'est l'église qui te mette. C'est l'église qui te mette le poivre. L'église qui te mette le poivre. Eh, al joure moun qui te mette là. Al dégage ou avec lui. Chito dit, amway, c'est l'église qui te regarde moi. Ça va t'arriver. Ou on est fort soufflé. Ah, ça se dit, go, arrive. Si on va respirer, on va pousser. Comme ça, vous êtes bien. Suspend monter sous ton église. Prends responsabilité. Tout le monde haïtien a gagné, faut que vous responsable. Haïtien n'est pas jamais responsable. Même Chikoun Bounia, là, il est prouvé que ce n'est pas en Haïti qui a Chikoun. Chikoun, c'est tout côté. Haïtien, c'est tout. Et pas moustique. C'est pas moustique, non? Non. Pas moustique. Son bagage, il souffle. Écoutez bien, le monde qui est éduqué pas dit bon comme ça. C'est toujours. On l'autre bagaille. Haïtien toujours déresponsabilisé, soit tête li, soit société a, pour d'où, c'est toujours l'autre bagaille. Écoutez bien. L'île est temps pour l'offre un bagaille pour dire, mais à culpa. Mais à culpa, veut dire, c'est ma faute. Mais à maxima culpa. C'est ma plus grande faute. Mais si c'est pas mon destin de l'église, tout bagaille c'est l'église. Bon, qu'est-ce que vous avez dit ça? Oui, c'est l'église. Mais la chute est l'église. L'église est hypocrite, mon église est hypocrite, yo Judas, yo malhonnête, yo médisant, mal parlant. Yes, yo qu'est-ce qu'on m'a glissé, mon église yo, yo t'as quoi grandement. Ou pourquoi mon cap mettait pour l'église? L'autre dans mon cap mettait pour l'église, vous ça vous dit? Bon, soit Dieu c'est vrai, grand pire mon dans l'église qui c'est vrai. Et c'est où même pour ta vie ni dans l'église ça pour faire différence là? Parce que les gens qui ont parlé sont bon monde. Il faut venir pour aider les gens qui ne pas bon. Ils viennent. Vini bon. À pas bon, c'est que ton pasteur. Qui dit bonjour, pasteur. Pasteur dit bonjour, monsieur. Pasteur, je voudrais m'affilier à votre assemblée. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pasteur dit qu'est-ce que tu aimes? Il dit comme ça, j'aime votre façon d'adorer. Et j'aime votre prédication. Pasteur dit merci. Et puis, il dit, pasteur, sans s'arriver, je cherche l'église, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est hypocrite, je ne sais pas mal parlant, je ne sais pas si c'est ça. Je m'espère que l'église ne soit pas comme ça, parce que je ne parle pas l'église comme ça. Pasteur dit comme ça, quoi? Ou bien les papes comme ici. Parce que dans l'église, on peut tout faire ça. Il y a des hypocrites, des médisants, des mal parlants. Parce qu'il a dit comme ça, et allons l'église qui piwa, demandez si je place nous, puis pendant que c'est après aller, parce qu'il a dit, puis je balle. Lorsqu'il est dans l'église qui piwa, avant frappé, réfléchis bien, oui, parce que quel que soit le groupe que nous rejoignons, dès pour rentrer dans le temps, il va gâter, oui.
C'est une façon pour te faire comprendre que pas de monde qui est bon, l'église c'est une société monde qui est propre, non? L'église c'est une société de monde qui vient dans l'hôpital mon Dieu, que mon Dieu a plongé avec grâce. Que mon Dieu dit amen, frère. L'évangile bon force, pardon, c'est pas seulement. C'est première force où il y a à disposition. L'or barré, vous sentez pas capable. Vous sentez, mes amis, qui vous pour faire? Comment pour faire mon cas à mon Dieu? C'est pour dire, Seigneur, bonne force qui est dans l'évangile là pour nous kakembe. C'est la première force que je vous mets. La force de l'évangile. Go deuxième force. Bon Dieu met à disposition nous qui veut servir. Deuxième force ça, nous jouons dans 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, verset 8 à 10. Là l'apôtre Paul te fin prend Jésus pour sauver. Dans 2 Corinthiens 12, verset 8 à 10. Bon Dieu te kon utilise l'apôtre Paul yon façon extraordinaire. Voilà que Bible a dit, Paul arrive dans une situation, côté Paul, yon problème. Là, il prie bon Dieu plusieurs fois pour bon Dieu aider résoudre le problème. Nan. Ça, Bible a fait qu'on est. Bible a dit comme ça, Paul te yon écharde. Yon écharde dans la chair. Et écharde là, son mot. Son mot qui veut dire piquant. Paul te comparé qui t'a piqué dans la chair. Paul te gagne une infirmité dans la chair. La Bible parle de chair. Nous ne pas dire si son une maladie physique que Paul te gagne. Ou bien nous ne pas dire si son problème spirituel que le gagne. Que son problème physique, que son problème spirituel, il n'y a pas de problème. Paul a un problème. Paul a un problème. Et puis dans 2 Corinthiens 12, nous lisons parole ça dans verset 8 10 l'être Paul tellement de problèmes Paul la gueule dans la prière tandis que sa parole là dit dans 2 Corinthiens 12 verset 8 Paul dit trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi pour ça le gagner pour le suspendre que son problème physique que son problème spirituel que son problème de tentation par contre saltéré Paul priait Paul dit Seigneur c'est pas ça saute sous moi non. Et puis dans les qui ça, bon Dieu dit Paul. Et il m'a dit, verset 9, ma grâce te suffit. On dit ça ensemble. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et puis, l'apôtre Paul dit dans verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Paul dit, car quand je suis comment? Faible, c'est alors que je suis comment fort. Regardez, Paul dans une situation côté que Paul a un problème. Il est possible de te un problème physique et spirituel. Paul priait trois fois. Trois fois, pas de dire un, deux, trois fois. Mais il dit à répétition, Paul priait. Paul dit Seigneur, non, bon pour moi, non. Aidez-moi, non. Je ne suis pas fort, Seigneur. Je ne suis pas capable. Et puis, bon Dieu répond, bon Dieu dit comme ça. Ma grâce te suffit. Ou on sa bon Dieu dit Paul là, force ou besoin, c'est notre grâce moins bien. C'est la deuxième force, bon Dieu, bon nous, pour nous servir. La force de la grâce. Lorsqu'on a un problème, ou une difficulté, ou se trouve faibli, dis Seigneur, fais-moi grâce. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Son façon pour dire Seigneur, bonne force qui est dans la grâce là. Bon Dieu dit Paul comme ça, ma grâce te suffit. Non, bon créole, bon Dieu dit Paul, pour son rien, ou capotel, une bonne grâce pour ça. Et là, l'apôtre Paul finit de prier, il sortit sous genou. L'apôtre Paul dit, qu'il n'y a pas de problème. Même si vous n'avez pas de problème, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'apôtre Paul est faible là, c'est qu'on n'a pas de moi, j'ai une force qui est à disposition, moi. Et force ça, dans qui ça nous donne dans la grâce là. Lors levé nos journées, ou par contre, quand on va la bonne journée, pas réfléchir, pas commencer à plaindre. Seulement dit Seigneur, fais-moi grâce pour la journée. Lors dans une situation, ou par contre, qui vous pouvez faire, pas réfléchir, pas commencer à plaindre, parce qu'on est capable de décourager plus. Seulement dit Seigneur, fais-moi grâce pour faire face à la situation. Gardons force qui est dans l'évangile. Gardons force qui est dans la grâce. Par contre, comment on vit l'église à soi? Si moun, jeune moun, grand moun, adulte, dans le nom de Jésus à soi,
Prends force dans le Seigneur. Je ne sais comment on vit là, soyez. Des problèmes financiers pour rien, problèmes marital, problèmes familial, problèmes personnels. Prépare-toi, dans le nom de Jésus, prends force la grâce là. Ou vous capable de mari qui a tout l'eau, ou grand madame qui a tout l'eau, ou qui a qui fait tout devant l'air. Vous êtes capable de réfléchir à problème la vie, à qui sont prêts à faire moi ça. Vous êtes capable même dormir, pas dormir sur la bonne ou bien, tellement troublé. Ou dormir, lever, deux jours calés, une heure, deux heures, trois heures du matin, ou à réfléchir à problème la vie. Bah on a qu'est-ce qu'on va parler là. Mais dans le nom de Jésus, écoutez, préparez-vous. Plus force que la grâce par là. On nous dit merci Seigneur. Bon Dieu, bon force pour servir. La force de l'évangile. La force de la grâce. Ah, bon, troisième force. Troisième force, t'as venu dans Ésaïe 40. Ésaïe 40, verset 28 à 31. Ésaïe 40. Verset 28 à 31, pas oublier Esaïe, c'est dans l'Ancien Testament. Esaïe, Jérémie, lamentation de Jérémie. Tenez qui ça dit dans Esaïe 40, verset 28 à 31. Verset ça, parmi tous les versets que moi gagne, que moi aimé dans la Bible, Esaïe 40, c'est une préférée. Ou pas pour qui ça dit, c'est une préférée. Tenez qui ça, Esaïe dit. Esaïe dit dans verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue qui ça? Point. Il ne se lasse qui ça? Point. On ne peut sonder son intelligence. Wow. Mais verset 29 là. Lis avec moi verset 29 à 31. Mettez force en oui pour lui. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, qui ça, renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Moi, d'ailleurs, mais de l'Église, il dit ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Vous connaissez qui troisième force? Bon Dieu, bon nous vous casse à dire. Si première force, ça c'est la force de l'évangile. Si deuxième force, ça c'est la force de la grâce. Troisième force, ça c'est la force de la foi. La force de la foi. Écoutez, frère, monsieur, moi. Ou capable de nos situations difficiles. Moun dit, qu'est-ce que foi pour comme ça? Qu'est-ce que foi ou là toujours, malgré problèmes difficiles, malgré les choses pas bon pour vous? Frère, monsieur, ma trop mal à écrire. Là, c'est la foi qui est bien. Pas un monde qui a jeté. Ah, regardez. Les la foi kembe ou. Non, mi tant difficulté, non, mi tant problème. Gen moun kap gado, yap nou ki son fè. Sak fò pou ko fou toujou. Sak fò pou avoye wach toujou. Sak fò pou chante toujou. Sak fò pou priye toujou. Ou kon sak fò pou fè tout bari sa toujou. La foi kembe ou. Ou konne si lundi pa bon, mardi va bon. Ou konne si mercredi pa bon, jeudi va bon. Parce que espoir c'est non bon. Bon Dieu. Ça la foi, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi, oui. Vous voyez ça que c'est la foi qui est bon. Même l'on en fait noir, la foi nous comme ça, de Messie et de la joue. Parce qu'on croit la joue, on dit gloire à Dieu, non fait noir qu'on y a, mais de la joue. Quoi est-ce qui croit que mon Dieu a fait joue pour nous? Faut que la foi, oui. Faut que la foi, oui. Sous ces petits bon Dieu, ou son monde n'a pas de problème ou gagné, ou pour crier, ou pour une vieille chaise paille, ou cagel d'aide ou la caillou, ou pour un vieux moumou, grand moumou qui était pour moi, ou mettre sous, et pour commencer à chanter, risque, surprise, pour frère, ou à crier, ou à chanter, chanter, pour petit c'est. Gagne qui bat espérance, gagne qui bat force, mais gagne on chanter. Gen on chante avec fort triste. Par exemple, je ne sais pas si je suis triste, je chante. Gen de moments dans la vie où sont-ils découragés? Où ton travail est révoqué? Je ne sais pas si je suis déjà triste. Je ne sais pas chanter des choses. Parce que chant a pu exprimer tristesse, mais pire, pire mal à toi. Je ne sais pas chanter des choses. Je suis triste. Pourquoi je chante des choses triste? Marchons avec joie dans le bon chemin.
dans les trois foyers du bonheur sans fin, les sons en arrière, les biens d'ici bas, et d'abord, et d'abord. Prions notre Père de guider nos pas, et d'abord, comptant sur sa grâce, rempli de sa paix, que rien n'embarrasse nos pas désormais. Oh, mais ça me chante là. Eh bien, ça me chante l'homme d'ici. Même lorsque le problème n'a pas encore résolu, dit Seigneur, écoutez-nous, même plus possible que Christ tourne avant le problème de résoudre. Et puis, je pense à un problème, non. Comme quand j'ai chanté, et quand sonne l'heure de quitter ces lieux, il a pour demeure le palais des cieux. Wow, vêtements de gloire, d'immortalité, palme de victoire pour l'éternité. Oh, voilà ce que donne le Seigneur Jésus. Levez mon nom. Voilà la couronne de tous les. Moi, dis Alléluia, oui. Oh, écoutez bien. Lorsqu'il la foi, baissez, chanter. Chanter. Parce que lorsque chanter, ça renforce la foi. Lorsque chanter, ça fait la foi grandir. Battre l'apôtre Paul, battre Silas. Mettez en prison parce qu'il a prêché l'évangile, parce qu'il a servi mon Dieu. À minuit, pour la silence, a chanté les merveilles de l'Éternel. Et pendant qu'il a chanté, il a fait la foi et il a grandi. Il y a un gros tremblement de terre secoué puissant. Soufflez, bon Dieu, secouez la raille vous-même. Chantez! Soufflez, bon Dieu, délivrez-vous. Chantez! Soufflez, bon Dieu, guérissez-vous. Chantez! Bon Dieu, Alléluia! Les quatre forces du serviteur de Dieu. 1. La force de l'évangile. 2. La force de la grâce. 3. La force de la foi. Et ma bonne dernière, c'est dans Romains 8. Romains 8, c'est dernière. Versets 26 et 27. Romains 8, versets 26 et 27. Tandis que ça dit dans Romains 8, versets 26 et 27. Pas qu'un verset, vous aimez comme ça. L'eau n'aime pas qu'à briller. Seulement est à genoux, il me dit, cet esprit mon Dieu, dégage-toi avec moi. Dégage-toi. Il y a un qui dit, parce que le Christ dit ça. Tandis qu'il dit dans Romains 8, verset 26, 27, il dit, de même aussi, Paul lit avec moi, mais lit avec moi avant de terminer. Romains 8, verset 26, 27, de même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Vous avez déjà deviné, oui? Si première force que mon Dieu va nous servir, c'est la force de l'Évangile. Si deuxième force là, c'est la force de la grâce. Si troisième force là, c'est la force de la foi. Quatrième force là, c'est la force de l'Esprit. Bible a dit, des fois nous faibles, même prier, pas à prier, nous faibles, puis côté nous faibles là. Vous savez l'esprit fait? L'esprit prend nous, il met nous sous dos. Bible a dit comme ça, l'esprit qu'on faiblesse nous, il prend, il met nous sous dos, sous dos, et puis il intercède pour nous par des soupirs comment? Inexprimables. Lorsqu'on sent tout faible, ou pas capable, l'offre dit, force l'évangile là, couvre-moi. L'offre dit, force la grâce là. Couvre-moi. L'offre dit, fasse la foi, couvre-moi, pour nous prendre des bouchons sous bouteille là. Est-ce que vous voyez? Fasse cet esprit à qui ça? Couvre-moi. Et quand on dit ça, cet esprit atterrit. Écoutez, frère, monsieur, moi. Écoutez. Gon papa qui m'a des petites lits pour prendre un bagage dans le cala pour te baler. Mais ça, le thème des petites là, t'es loup en pile. On dit, mon 6 ans. Il dit, papa dit, porte radio avant moi. Et ton gros radio. Puis il a essayé de lever la radio, il n'est pas capable. Puis il a dit, papa, je ne suis pas capable, non? Papa a dit, ou pas capable parce qu'on va utiliser toute force. Papa a dit, utilisez toute force. On dit, mon 6 ans, un gros tonton radio sur la télévision. Si vous ne faites. Il dit, papa, je ne suis pas capable, non? Papa a dit, ou capable. Utilisez toute force. Il a dit, puis là. Il papa m'a pas capable, non? Finalement, puis t'as dit, papa, m'a pas capable. Venez de non.
Papa dit, ah ah, l'homme d'abdou utilise toute force ou pas. C'est pas où même t'es besoin de te lever. C'est tant d'abdou pour relever. Parce que force moins, c'est force ou. Nous chitons à faire bouki, nous levons un paquet de chai pour nous, alors que bon Dieu dit protège tout chai, nous ne pas. Nous coffrons un bon paquet de chai, nous redis, alors que bon Dieu pas de jambes, dit nous, pour nous protéger chai pour nous. Dit nous protège tout chai, nous ne pas. Jésus dit venez à moi, qui ça? Vous tous qui êtes fatigués et chargés, qui ça dit? Et je vous donnerai du repos. Assoir la caillou. Avec quatre forces ça. Et pendant que si vous ensemble, je vais vous camper. Et chaque fois que vous allez camper, c'est pour dire une d'elle. La quatre forces du serviteur de Dieu. Bonne première, la force de l'évangile. Bonne deuxième, non. Bonne troisième, non. La force de la foi. Et bonne quatrième, non. La force de l'esprit. Regardez la force, mon Dieu, Manon. Et la force, ça, nous allons prier pour nous terminer. Oui, il y a force. Force. Oui, il y a force. Levez-nous, prends force. Dans sa nuit. Prends force, prends force. Crucifié. Oui, il y a force. Force. Oui, il y a force. Dans le ciel. Sans. Allez. Mettez-la, mettez-la, mettez-la. Ou pral le bagage qui va le passer. Quel que soit Jean Santou, levez mes deux mains vers les yeux, faire connexion. Et puis chantez ça avec moi. Oui, gain force. Chantez ça. Prends force, prends force. Regardez-moi bon ici, bien aimés frères et sœurs, nous allons terminer. Par contre, est-ce que quelqu'un a souhaité qu'il y ait une Sichème? Mais vous dites, parce que qui ça Sichème? Hier soir, nous avons baptisé devant ce chien-là, Sichème. Peut-être que tout n'a pas suffi pour vous. Sous table à souhait, venez à Sichème. Venez à genoux devant mon Dieu là. Nous prenons ce chien-là comme un symbole de Sichème. Pour faire une transaction spirituelle. Pour dire, Seigneur, bon force l'évangile mondial. Seigneur, bonne force grâce à ta main là. Seigneur, bonne force grâce à ta main là. Seigneur, bonne force à l'esprit là. Tout bien. Vous pouvez être en place si vous voulez, mais si vous sentez, vous avez envie de prier à Sichem. Levez mon verre ici et pendant que vous chanter. Oui, qu'est force. Amen. Force, 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 force. Oui, qu'est force. Si vous voulez servir mon Dieu, alléluia, alléluia. Que force, que force, que force, mon qui chantait gloire, que force, mais un seul sacrifice, que force. Si vous avez mal péché, si vous avez problème, difficulté, que force à soi. Oui, que force. Que force. Que force. Sacrifice.